Oh, mais qu'il est mignon ce petit tricot, décidément, regardez, il est en train de... Ah, il le fait plus. Il le fait plus, il était en train de... Je sais pas, il joue avec les branches. On aurait dit une girafe, vous savez, quand il grignote aux arbres qu'elle prenne à becqueter. Donc, oh, 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 bonjour à tous, bienvenue sur cette septième partie de Last Guardian, ça commence à faire pas mal. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup, mais il se passe plein de choses dans ce jeu. Et il s'est passé beaucoup de choses dans le dernier épisode, voilà, révélation de Ouf Guedin. Maintenant, on sait qui sont Étricot et l'enfant, c'est à peu près. Hein. Comme j'ai dit, il reste encore des zones d'ombre. C'est-à-dire que... Pardon, alors ça va être dur avec le... Eh, c'est bon, j'entends? Ouais. C'est-à-dire que, bah... Là, on sait d'où vient la bestiole, hein. La bestiole... contrôlée, enfin, la bestiole est méchante, mais elle est contrôlée par quoi? On ne sait pas. Hein, si elle avait une armure et un casque, c'est qu'on lui a, on les lui a placés. Or, eh ben, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas qui lui a placé. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout ce qu'on sait, c'est l'enfant. Et encore, on ne sait pas tout. Alors quand la bestiole bouffe l'enfant, il y a des tatouages qui apparaissent sur son corps. J'avais noté la dernière fois de nouveaux tatouages apparaissant. Voilà, on le voit. Sur son cou et son menton un petit peu, hein, la mâchoire. Il n'était pas là avant. Il va finir par être tatoué partout. Le machin, il va changer de couleur à la fin. Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que il se fait juste gober par l'animal. Hein, il n'y a aucune raison. Bref, allez, on est parti. Qu'est-ce que... Alors oui, moi je viens de là. Je viens de là où j'étais tout inconscient et voilà, c'était là-dedans. Et Tricot m'a ramené à la vie en m'immergeant dans de l'eau. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille? Dans cette salle que j'aime pas parce que... Et c'est aussi d'ailleurs, c'est un mystère, c'est la salle des... C'est la salle du Tricot méchant. Voilà, dès qu'on le met là-dedans, il se fait contrôler et il devient méchant et il me bouffe. Deux fois qu'il me gobe, commence à en avoir marre, hein? Je veux bien être patient, mais quand même. Je vois bien qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a des grilles à remarquer, c'est pas... Ah mais ouais, regardez, il y a autre chose là. Ah mais oui! Eh bien là, mon loulou. Regardez, il y a une porte là-haut. Bon, normalement, la salle est maintenant inactive. Eh, mais attends. J'ai peut-être des... Non, il n'y a rien. Non, là, ici, il n'y a rien. Voilà. Bon, oui, je disais, la salle est maintenant inactive. Hein. C'est cette espèce de truc au milieu, je sais pas ce que c'est, qui les contrôle. Et trois bâtons et un lampadaire. Voilà, avec ça, on fait des prodiges, ma bonne dame. Alors, je suppose que... Ah! Tu te souviens de cet endroit? C'est là où tu m'as mangé. Je suppose que si je m'agrippe à mon tricot et que je lui demande de m'amener là-haut... Ah, tu vois la porte là-bas? Ça m'intéresse. Ouais, ouais, t'as vu? Oh, je crois qu'il a tout compris. Oh oui, il a tout compris, je te fais une petite caresse. Oh là là. Ah, ça y est, j'arrive, je communique. Allez, vas-y, saute! Hop là! Et ben voilà! On a trouvé où fallait aller! Enfin, j'espère! Sauf que ça va juste m'amener à de la bouffe! Ah, c'est un peu haut, par contre, on va peut-être emprunter l'échelle. Hop, c'est marrant parce qu'au niveau des contrôles, c'est aussi à mi-chemin entre Ico et Shadow of the Colossus. Alors, bonjour mon petit... Ah, mais il est là, d'accord, j'ouvre la porte, évidemment. Toc. Voilà. Allez, on va peut-être pouvoir continuer maintenant. Faire de nouvelles aventures. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est des rails? Il y aurait des rails. Et là-bas, on a quoi? Pas grand-chose. Oh ouais, tu es bien baissé là, mon petit tricot. C'est un peu bas pour toi. Et là, il y a une espèce de couleur. On dirait d'anciennes mines. D'ailleurs, il y a des wagons. Quoi ce délire?
Quoi ça? C'est quoi ce machin-là? Il y a un serpent? Attends, jusque-là, on avait vu rien du tout comme signe de vie sur cet endroit-là. Ah, c'est peut-être un lézard, remarquez, il y en avait plein dans Shadow of the Colossus. C'est un lien entre les univers ou un clin d'œil, tout simplement. Là, je le vois plus, hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Et je sais pas trop du tout où aller. Bon, on est sur l'abonnement, en tout cas, par là. Ouais, là, pas la peine d'y retourner. J'en viens. Bon, je retourne par là-bas. Atatu, on se moque Ah! Il est guiric, agatatu, Fait quoi parvient à s'y faufiler? Quoi? Attends, il peut se faufiler là? Non. Mais non, il met pas une patte. Ça rentre pas là, je suis sûr. Ça rentre pas. Oh merde! Oh merde, attends. Normal que. D'accord. Ouh, t'as pas peur de. Mais comment tu vas faire arriver là? C'est le truc qui a pas peur des endroits étroits, hein? Hein, t'es. Ça va, toi? Bon, très bien. Bon, bah voilà, au moins on a. Ah, bah on a trouvé comment faire. Eh bah, effectivement, sans le narrateur, je risque pas de trouver. Alors, qu'avons-nous là? Merci caméra. Putain, la caméra, des fois. C'est vrai que. Voilà, c'est quelque chose qui lui avait été reproché, mais la caméra est parfois un petit peu capricieuse, je dirais. Et oui, c'est quelque chose qu'on avait reproché au jeu. Avant même qu'il sorte. Voilà, parce que c'est une critique qui revenait assez souvent, par exemple, lors des salons, quand il testait le jeu, le 3, des choses comme ça. C'est vrai que des fois, bon, voilà, c'est un peu difficile. Bon, est-ce que tu peux me suivre, Trico? Oui, il peut. Et le lézard, en fait, attends. C'est vrai que j'ai oublié de regarder ça. Je viens de le revoir là. Et oui, regardez. Ah, mais c'est un lézard noir. C'est le même qu'il y avait dans Shadow of the Colossus. Alors, bon, c'est sûr du coup. Alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce un clin d'œil? Est-ce un lien entre les univers? Aucune idée. Qu'est-ce que ce sont les mêmes? Putain, mais. Tu vas faire quoi là, mon petit tricot? Ah, attends, ouais, bouge pas. C'est ça. Mais c'est une vraie souris en fait, ce truc. Encore un animal auquel on peut l'identifier, regardez. Ça passe dans n'importe quel trou, hein. Allez, non, j'espère que t'es pas bloqué là, parce qu'on est dans la merde, hein. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais si je fais ça, je vais le tuer. Allez. Oh là là, il est bloqué. Vas-y, non mais recule en fait, non? Je vais lâcher. Oh.
C'est normal ça? Coco. On entend qu'il respire encore, hein. Il est pas mort, rassurez-vous. Je peux passer par là-bas, visiblement. Waouh. Mais on fait quoi? Ça nous a ouvert, enfin, la caméra, ça nous a ouvert un nouveau passage, mais... Alors là, pour le délivrer de là-dessous, quoi. Et encore heureux que... Allez, ils lui ont donné une respiration forte, là, juste pour dire, mais non, c'est bon, vous inquiétez pas, il n'est pas mort, hein, quoi. Sauter là-dessus? Non, je peux pas. Quelque part là-bas, non, je pense même pas. Salut à toi, Chicken Lord. Comment est-ce que tu vas? Mais je me casse tout seul? Oh là là. Il y a des armures là dans le coin. C'est comme d'hab, eux qui vont réveiller en fait Tricot, et qui vont déclencher sa fureur. Ah. Ok, nickel. Oh putain. Mais le gamin, il est assez égoïste finalement en fait. Enfin, des fois, t'as l'impression qu'il s'en fout. Le Tricot est une arme et c'est tout. Alors que bon, ils ont développé quand même des... Voilà, des liens, tous les deux. Et là, t'avais vraiment l'impression que le gamin se barrait, tout seul. Et voilà, c'est bon. Moi, je crois que tu les as tous tués, hein. Ouais, c'est bien. Allez, ça mérite une petite caresse. Non, arrête de sauter. Arrête de sauter. Il est tout fou. Hey! Attends, attends, une petite caresse sur le cuisseau. Eh bah, heureusement que tu t'es dépêtré tout seul parce que moi je m'inquiétais là. Hein. Ouh! Allez, on va voir ce qu'il y a après. Oh! Oh, mon petit vieux, mais non mais. Il est pas gentil, papa, avec toi. Il a même pas essayé de le réveiller, je sais pas. Enfin, ça manquait d'émotion du côté du gamin. À chaque fois, t'as vraiment l'impression que le gamin l'utilise comme arme. Ah, moi je suis désolé, je suis dans le camp du tricot, voilà. Tricot RPZ. Bah là, je sais exactement ce que je vais devoir faire. Ça sent le passage sur le dos du tricot qui va m'amener, je sais pas où. Voilà. Regardez, j'ai même pas commencé à m'accrocher à lui que lui, ça y est, il a commencé à aller de plateforme en plateforme. Il est fou! Il va être partout! Il est fougueux. Et après? Ah, on va aller sur des. Ouf! Un petit peu risqué. Ça ressemble légèrement au pont dans Shadow of the Colossus. Avance, avance, vite. Enfin, au niveau de l'architecture, on a quelque chose. Hein. Ça, par contre, c'est badass comme scène.
Oh, c'est des yeux que je vois là-bas? Ça a l'air d'être des yeux. Alors vas-y, continue. Continue le plus que tu peux. Et je vais m'occuper des vilains yeux. Enfin, il serait peut-être temps que tu apprennes à comment dire, à contrôler tes peurs et à les affronter. Je dis ça parce que comme ça, ce serait moins chiant. Ok, j'y vais, t'inquiète pas. Ah putain, je vais pas crever quand même, non, c'est bon. Il va se relever, il va faire... Ah il s'est pété le nez, c'est... Ah, mon dieu. Oh merde. Pas grave, je m'ennuie, mes parents dorment. Et voilà, un live parfumé, c'est fait pour ça. Voilà. Je suis là pour eux. Pour vous amuser. Et moi aussi, du coup, hein, j'en profite, une pierre de coup. Alors, où qu'on va après? Hop. Oui. Avec quelque chose. Pas sûr que je puisse aller sur ce rebord. Tu peux? Ah, il peut se suspendre. Se suspendre? Ça me servirait à quoi, là? Ouais, surtout que là, il y a une espèce de... petite corniche à cet endroit-là. Une espèce de matière particulière avec des, je sais pas, des motifs dedans. Allez, on continue. Hein. Ah bah oui, c'est là qu'il va falloir se suspendre. D'accord, tout ça pour ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il y a quelque chose qui va me ramener en hauteur. Je vais pouvoir bouger, enfin interagir avec les yeux en les explosant, je sais pas quoi. Et j'aurais fait tout ça pour ça. Enfin, là, je suis en train de contourner de ouf. Il y a quelque chose là-bas au moins, ouais. Hop, hop, hop. Ah, doucement. Ouh. Attention. Saute. Ah, mais non, mais... Coucou le Père Noël. Salut à toi, Nicolas. Oh, 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 oh. Tu as été sage, Nicolas. Je t'offre un gros animal. Ouais, ça fait... Je sais pas pourquoi, quand je fais le Père Noël, ça fait un petit peu voix de Père Noël pédophile, quoi. Bonjour, Nicolas. Eh bien... Ah, ok. Je voudrais pas dire, mais la plateforme, c'est pas le... C'est pas le fort du jeu. Et... Ah, faire des choses comme ça, là, sauter de blocs comme ça... C'est pas ce que je préfère faire. Mais c'est bon, on s'en tire, on s'en tire. Je vois pas du tout ce que... où ça va m'amener, par contre. Ok, notre petite corniche. C'est que ça devient un peu long, là. Peut-être quelque chose à en tirer. On est sur quoi, d'ailleurs? On est sur l'espèce de grosse tour, là, ou quoi? Je sais pas ce que c'est, mais... décidément, la texture de ce mur est bizarre, quoi. N'oublie pas, des cadeaux par milliers pour Tricot, il mérite. J'ai préparé une tonne de tonneaux. Et il va... Voilà, il va plus pouvoir... il va plus pouvoir gérer le pauvre Tricot, tellement il aura de bouffe. Des tonneaux, des papillons partout. Voilà, des tonneaux remplis de papillons. N'oublions pas, hein, c'est la nourriture principale du Tricot. Voilà. Des tonneaux de papillons. Ah, je dis ça parce que les tonneaux que je ramasse, il y a des papillons chaque fois dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Bon, bah, je sais pas ce que c'est, mais je peux pas faire grand-chose avec pour l'instant. Faut peut-être amener Tricot ici. La plateforme a l'air grande. Ce qui m'indique que Tricot, oui, peut se rendre sur cet endroit. Regardez comme c'est bien large, là. Oui, je pense que c'est ça qui va se passer. Et allez. Hein, à l'instant médium, je vais l'amener là.
Et il se passe passer un truc, bah, genre utiliser un super pouvoir de je sais pas quoi. Et il va interagir avec l'espèce de truc bleu qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Oh putain non. Ça par contre c'est pas une bonne nouvelle. Il va y avoir des mecs en armure. Et ça j'aime pas. Et encore une porte. Putain. Ah par contre, à partir d'ici, je vais pouvoir passer. Qu'est-ce qui lui arrive? Je le trouve bizarre. Ah, c'est peut-être parce qu'il a les yeux. Que oui, lui, je le trouve un peu... Enfin, quand il est comme ça, il est assez terrifiant. Parce que c'est toujours dans cette configuration-là qu'il m'a bouffé. Hein. Quand il avait des yeux rouges comme ça et qu'il avait un air menaçant. Mais je pense que c'est les trucs que je suis en train de pousser qui provoquent cette réaction chez lui. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis obligé de bouger la manette à fond. Ah! Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire! Je peux plus bouger! Oh! C'est normal? Ça y est, j'y arrive plus là. Hein. J'essaye de virer les symboles, je sais pas quoi là, autant. Oh putain, ils ont tous des yeux! Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je suis complètement paralysé. Non, non, mais là, mais... T'as vu la réaction du tricot, c'est quelque chose que je suis obligé de faire. Visiblement, c'est ça. Ah putain, puis ils arrivent. Oh, il a vaincu ses peurs. Oh, GG. Oh, mais cet animal. Regardez, il a vaincu ses peurs. Affronter c'est les yeux qui le terrifiaient rien que parce qu'il m'a senti en danger. C'est beau. Ah par contre se passe pas du tout ce que je pensais qu'il se passerait. D'accord, on rebrouche chemin. Ok, pourquoi pas. Par contre tu vas te retrouver bloqué là, il y a un moment où bah oui. Oh, les ailes. Oh oh, youhou. Ah, magnifique! Magnifique, putain! Allez, vas-y, envole-toi! Comme disait Jean-Jacques Goldman. Ouais, je sais, c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. C'est une version spéciale pour. Envole-toi! Ah non, mais toi, t'envole pas! Ne t'envole pas, toi, c'est pas une bonne idée! Oui, attends, oui, j'arrive! Attends, je vais faire ce que je peux. Oh putain, il est en train de tout démolir! J'arrive! Ok, je sais pas ce que je viens de faire, mais j'ai fait quelque chose. Allez mon vieux, vas-y. Ouh. On a bien foutu le bordel, hein, quand même. J'arrive mon loulou, j'arrive. Ne m'abandonne pas. On y est. Vas-y, un petit coup de bec là, s'il te plaît. Un petit coup de queue. Ah, c'est avec la queue. Ah, oh, c'est la queue, merci. Mmh. Toujours avoir un grand contrôle de sa queue. Comme dit le célèbre dicton. C'est très important. Allez, vas-y, accroche-toi là, du mieux que tu peux. Je vais voir si je peux pas t'ouvrir ça. Enfin, on est bien descendu là dans les niveaux de cette tour, hein. On était bien haut, quasiment haut là. J'arrive. Oh putain. Et là ça y est, nous revoilà. Descendu de bien plusieurs étages. Oh non. Ah, vas-y. Ah c'est bon. Ok, on est sauvé. Et des fois il y a des scènes comme ça qui sont hyper intenses. D'accord, j'arrive. T'es prêt? Allez, rattrape-moi.
Yeah! C'est une vraie amitié. Tricot. Ah, putain! Ah, putain de troll, t'as eu peur, hein? T'as eu peur? Ah, Tricot, c'est mon pote. Il a fait que le gamin qui. Il est capable de faire l'hélicoptère avec, avec le gamin. Ah bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à attendre en fait. Là, tu te fais un petit salon assez grand parce que bah. Pff, il va falloir un grand panier quoi. Nous étions si proches. J'aime pas comment il parle. J'aime pas du tout comment il parle. Parce que ça laisse l'impression que Tricot va mourir ou je sais pas. Il va se passer quelque chose. Nous étions si proches déjà. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant que vous savez bah, que l'enfant a forcément survécu. En tout cas suffisamment pour faire la narration du jeu. Ah, il est là. Tiens. Attention. Hop là. Le bon bien miam. Alors, mon loulou, visiblement, c'est ici qu'on va devoir trouver une solution. Donc, je vais te demander de... voler. Attends, j'arrive pas à grimper, là, parce que voilà, tu mets ta tête comme ça, donc voilà, c'est pas pratique. Alors... Il y avait quoi en face? Bon, vas-y pour voir. En fait, je crois que c'est pas là, hein. ça va être plus en descendant. Ah, peut-être. Ouais, il y a quelque chose. Est-ce qu'il peut voler jusqu'à ces trucs-là? Je pense qu'il peut. Non? Qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai envie que t'avances là, vas-y. Ça y est, je crois que c'est bon. Parfait. Parfait, effectivement. Ah ouais, mais oui, j'avais pas remarqué, mais ça y est. J'avais vraiment pas remarqué. Mais comparé au début du jeu, ses ailes sont vraiment plus grandes. Hein. Je sais pas si c'est juste depuis la cinématique où il s'est envolé ou si ça s'est fait progressivement. Mais oui, il y a une nette différence. Bah ouais, mais tu veux que je descende? Il y a quoi en bas? Ok, en bas, il y a peut-être... peut-être un petit tonneau de bouffe, hein. Voilà, je veux une porte. Enfin, non, je veux une porte. Bah, des grilles, surtout. Allez, vas-y, saute là-bas. Juste en face là. Non, c'est pas vraiment là où je veux aller. Non, là. J'ai envie que tu ailles là. Là, oui. Petite caresse. Depuis que je le caresse en fait régulièrement, je galère moins à lui donner des ordres. Est-ce un hasard? Je pense pas. Je pense que c'est comme ça qu'a été conçu le jeu, qu'il faut être patient et gentil avec lui. Je regarde en bas aussi, au cas où il n'y a pas un petit truc à lui donner à péter, mais non, je pense pas. Je pense pas, puis en fait, je vois pas d'endroit praticable pour me rendre en bas. Là, si je saute, je crève, hein. Il n'y a pas d'échelle, quelque chose comme ça. Et là, par contre, je pourrais... Parfait. Est-ce que tu peux aller en face? Ouais, c'est ce qu'il va faire. De toute façon, j'ai dû oublier plein de d'endroits où je pouvais récupérer des tonneaux de choses comme ça. Donc c'est pas très grave à la limite. Allez, c'est bien. Allez, une petite caresse. Il est dur que tu veux me le manger, hein.
T'imagines tout ce que t'aurais perdu? Non, mais va pas. Voilà, oui, continue par là. Voilà, c'est bien. Bon, attends, je vais y aller à patte parce que. Non. Voilà. bon, on va pas par là, manifestement. Ah bah oui, t'as voulu y aller tout seul, ça sert pas à grand chose, hein. Allez, viens. J'ai besoin de toi. C'est quoi, c'est une porte? Bon, peut-être qu'il faut prendre un peu de hauteur, mais pour le moment, je vois pas d'issue possible à partir de cet endroit. On voit juste que putain, on a quand même fait du bordel, hein. Tout est un petit peu détruit et tout. Bon, tout n'est pas de notre faute. Ah, faut déconner. Il vient ou pas? Ah, GG. Allez, vas-y, saute. Ah bah attends. Je m'accroche à ta queue. Bouge pas. Quick. Ah, effectivement, il va peut-être trouver un accès à partir d'ici, lui. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, ouais, vas-y, continue ton chemin parce que. Ouais, si c'est ça, tu peux. Oui, bah oui, tu peux grimper là-haut. Tu vois ça là? Ah, là, Ikte. Ikte, gros cul. Non? Je pensais qu'il voulait y aller. Ah, si, c'est bon. Des fois, il a des réactions qui me surprennent. Je lui dis, ah, bah c'est bon, il va y aller. Mais en fait, non. Il reste là. Elle est là-bas. Là-dedans. C'est pas bon. Du coup, est-ce que je peux le laisser est-ce que je reste là? Voilà, et puis je le laisse régler le problème des armures. Sauf s'ils ont des yeux. Allez, je t'encourage! Vas-y! Vas-y! Allez! Très bien! Oui! Oh là là! Ce talent! Eh, fais gaffe! Il prend une lance, ce tarba! Ah bah voilà, bien. Ouais, ça sort. Ça sort la lance que je vais devoir lui enlever, hein. Ça, c'est bizarre comment ça s'est assombri d'un coup. Ouais, quand je passe à l'intérieur. Bon, par contre, il va falloir que tu viennes le chercher. Comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais mes copains, mais bien, je suis tout seul là. Si je saute et que je meurs, c'est ta faute, hein. Il a pas envie, putain. Bon. Alors, attends. Allez. Ouais, allez, sur le rebord, délicatement. Non, il veut pas. Je vois un petit rebord vers le bas. Ah, ah bah. Putain. Il est d'une solidité, ce môme. D'une. À la fois, il est fragile, parce que le mec, quand il donne un coup à genre, juste un. Juste un autre gars, c'est lui qui se retrouve au tapis. Et pourtant, il te fait des chutes de malade. 10 étages, il s'en fout, il se relève. Bien.
Ah, mais il y a un œil. Ah, bah écoute, j'apprécie beaucoup que tu les affrontes maintenant, mais je vais t'aider un petit peu. Attends, je vais t'aider, je vais enlever la lance déjà, parce qu'après ça va s'infecter et puis ça va faire des choses dégueulasses, donc ouais, il faut pas laisser ça. Ouais. Par contre, c'est moi ou son plumage est plus sombre maintenant. Je trouve que je dis n'importe quoi, hein. je vois des différences qui n'existent pas. Ah, il a tiré le pieu, il y en a un autre. Oh, t'es bien caché lui. Allez. Pouk. Voilà. Là, je me demande ce que ça fait si on retire pas les pieux. Est-ce qu'on peut avoir un tricot hérisson? On lui rajoute encore un animal, il y aura des pics partout et tout, ça peut faire joli. Là. Eh, hey, Tréco, regarde, il y a un casque. Bon, oui, j'arrive, attends, j'arrive. Alors. Hop. Ça semble pas trop compliqué. Ouais. Alors, ce qui devrait permettre à Tricot de venir un peu plus loin. Mais après. Donc là, il y a un truc qui pourrait détruire, mais. Alors, la solution, ce serait de l'envoyer ailleurs. Attends, ah, c'est quoi ça? En fait, ça se trouve, j'ai extrapolé des plans pour rien. Ah bah, c'est encore plus simple. Allez, c'est le coup de la chose trappe. Vous savez, comme dans le bureau de Monsieur Burns. Très bien. On va éviter de faire ça quand Tricot sera là. Merguez, où c'était caché, mec? Ah, j'aime bien les deux. Petite merguez, tu vois, avec bah, la cuit au petit barbecue. Hein, ouais, avec une bonne petite moutarde, là. Mmh. Moi, je... Ah bah ouais, c'est bon. Mais il y a des choses en bas ou pas? Oh là là, qu'est-ce qui s'y passe? C'est l'autre? Oh! Oh, ça sent le pétage de gueule. Vas-y. Et lui aussi, il a des ailes ridicules, je comprends pas. Pourquoi? Oh là là. Bon, là. Tu vas te trouver toi avec la chose trappe, tu vas voir. Et l'autre il va le choper à la queue. Oh putain, tu touches pas mon tricot, mec. Ah, j'arrive. Allez. C'est pile poil où il faut là. Allez, salut. Hop. Ah, t'as l'air con, hein. Eh oh. Ah, mais non, mais... Ah, mais non. Je vais y aller. Qu'est-ce que je peux faire? Eh, Tricot, montre-lui que t'es... Oh putain de merde, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Montre-lui que t'es pas une baptou. Qu'est-ce que... Oh là là. Oh, y a un truc qui m'intéresse, là. Hop. Eh ben, quelque chose me dit qu'on va pouvoir faire une petite circoncision au tricot méchant. Mais qu'est-ce que je fais là? Putain, je t'interdis d'envoyer tes putains de pieux sur mon tricot, quoi, espèce d'enfoiré.
Ça va y avoir des trous partout. Mais qu'est-ce que je fais? Je saute sur lui? Ah ouais, ok. Ah, mais lui c'est pas pratique, il est une armure. C'est sûr? C'est pas ça qu'il faut faire. Hop 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 hop. Et voilà, c'est le décès. Et vu comment c'est parti, je pense que Trico va décéder aussi des suites de son affrontement. Ah, Trico, j'ai fait de toi un champion, bordel. J'ai cru que t'étais meilleur, moi. Ah là là. Et lui, il revient. Tain, c'est bizarre qu'il me le montre en cinématique comme ça. Oh, putain. Attends, je t'enlève ça direct. Voilà. Plus vite on l'enlève, mieux c'est. Hein. C'est... Tu peux y aller là ou pas? Parce que je vois pas trop. il y a des animaux sur mon chemin. Ah attends, je passe entre tes jambes. Oh putain, on va lui couper la queue. Oh attends, tu vas voir. Attends, je peux pas prendre sa queue. Oh oui! Oh oui! Ah, c'est pas gentil ce que je vais faire. C'est pas gentil, mais il laisse mon tricot. C'est le mien. Je touche pas mon truc. Ah! Hey, il y a un truc de. Un effet de truc de dégueulasse de là. Oh putain! Non mais c'est bon! C'est pas moi en fait, c'est la porte. Hein. Pour rien. Oh là là! GG! Oh, c'est beau comme combat par contre. Putain, mais tricot, merde! Mais... tête quoi, tu ferais quoi sans moi? Allez, ah quoi, ça? Oh oh, c'est qui va se prendre un demi-tonne sur la gueule. Attends, je t'aide, j'enlève ça. Ah, puis ce gamin inutile quoi, tu peux pas prendre le pieu et je sais pas le planter dans l'autre. Putain, il va encore ressortir tout blessé quoi. Hein, qui c'est qui va devoir lui donner. Ah putain de merde! Arrête de bouger, arrête! Aïe, arrête! Qui c'est qui va devoir lui donner 15 000 tonneaux et tout pour le soigner encore? Hein? Et là, je pense que en lui envoyant ce que je vais lui envoyer dans la tronche, il m'a l'air assez lourd, il y a moyen de péter son armure. Hein. C'est vrai que ça, c'est injuste. Lui, il a une armure. Et mon tricot à... Et mon tricot à moi n'en a... Ah putain! Et mon tricot à moi n'en a plus. J'ai fait une petite frayeur là. Alors, vas-y, grimpe doucement. Ok, comme ça je suis sûr. Hop, saisir. Peut-être que si je le fragilise un petit peu. Ouf. Ouf. Sur la tête. Oh putain, je te l'ai assommé. Ah ouais, il a... Oh, il a perdu sa corne, une corne et son masque. Vas-y, fuis, espèce de lâche. Putain, attends, mets-lui une bouche l'autre en bas, qu'est-ce qu'il va arrêter? Ok, on est parti. Ok. Je pense que c'est par là qu'il fallait aller. Bon, Trico, j'arrive. Je vais te rapporter tous les tonneaux que je pourrais. Le bon chemin, moi. Ah, il est là. J'espère qu'il n'y a pas un drame là qui est en train de se faire. Putain, il a encore une lance sur lui, quoi. Ah non, hein. Ah putain, non, hein. Je vais lui enlever la lance, peut-être.
Oh là là. J'aime pas le fait qu'on entende son cœur. Parce que ça peut vouloir dire qu'en fait, il y a un moment où on va plus l'entendre. Je sais pas. À manger un petit tonneau là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le même truc. Qui était sur la devant la porte tout à l'heure. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ici pour gauche pour eux. Je dois faire quoi avec ça? Peut-être péter ce truc là. Ah si. Oh, et puis il va y avoir un tonneau à l'intérieur. Non, ah non, ça va me permettre de... Ah oui, un tonneau. Ah, il y en a deux. Le jeu réussit bien son effet en tout cas. Vas-y mon loulou. Ah putain, je te donne tout ce que tu veux comme tonneau. Juste, tu crèves pas quoi. C'est con s'y attache en fait, cet animal virtuel ou pas. C'est dur de voir ça. Allez, vas-y. Allez mon loulou, mange. Très bien, bon, je vais en chercher un autre. Il y en a peut-être 2-3 là qui traînent. Des papillons. C'est vrai que je peux vraiment pas sauter quand j'ai un tonneau. Et on entend son cœur, hein. Bim bim bim. S'il est pas mort, en tout cas il est à la limite. Allez, je te l'approche. Voilà. Ça l'a toujours un petit peu... ça lui a toujours donné des forces, toujours... Je dis résurrecté, mais je ne sais pas si ça existe comme mot en fait. Il y a peut-être un autre tonneau qui traîne par là. Ah, peut-être là-dedans là. Non. Peut-être un tonneau là-bas, dans le... Ah mais on est déjà venu ici, je reconnais cette statue. Allez mon coco, accroche-toi. Oh. Ah, il y a encore... Ah le lézard. Je vais manger un lézard. Viens là. Vas-y, détruis-le. Hop, lézard grillé. C'est vraiment un lézard de Shadow of the Colossus. Hein. C'est pas un hasard s'il est là, lui. Qu'est-ce que je peux encore? Il y a forcément...
Ah, attends, c'est vrai qu'il y avait cette chaîne là. J'avais déjà essayé de grimper. Je vais grimper. Je vais grimper. Tiens bon. Si je peux te ramener des tonneaux, je t'en ramène plein, moi. J'ai pas peur. Il n'y a vraiment pas un qui traîne par là. C'est bizarre ces papillons là qui sont là, non? Ça m'en a pas l'air. Oui, en fait, c'était. On est venu ici quand on est quand même. Ouais, on était quand même bien avancé dans le jeu. Ça fait pas si longtemps que ça finalement. Mais tout le même. Ah, peut-être que. Attends. Alors là. C'est peut-être quelque chose à détruire. J'avais essayé de venir ici. Et j'avais été bloqué. Et voilà pourquoi j'avais été bloqué. Oh putain. Oh oui. Oh oui, les tonneaux. C'est là que le tonneau atterrit, à la chute malheureuse. Directement sur lui. Et l'achève. Pom, pom, pom. Alors. Et... Allez, on va essayer de faire le grand saut. Hop là. Bon, allez mon coco, accroche-toi. Ils sont passés où les tonneaux? Ah, c'est bon, ils sont là. Allez. 4 tonneaux, c'est super chaud à trouver, hein. C'est ça, ça te requinque pas, je vois pas ce qu'il faut faire. Hein. Prends, prends, prends. Oh, moi, il mange! Voilà, pour moi, c'est un signe de bonne santé. Voilà, tiens, je te redonne. Vas-y, mange. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire en tout cas. Oh, eh bien, va mieux. Ah, je suis rassuré. Franchement, ça me tue. Si Toriko mourait, c'est vraiment difficile, quoi. Je pense pas qu'il va mourir. J'espère pas, en tout cas. C'est, pour moi, ce serait vraiment décevant. C'était pas loin là, hein, mon coco. Ah, tu te sens mieux, toi au moins, t'as tes deux cornes. Eh, hey. Master Ace. Et bien sûr. Bien sûr qu'il peut te ramener en haut, il peut tout faire. Je suis étonné de savoir ce que... Je me demande ce qu'il y a dans ces tonneaux. Oui. Oh là là. Ah, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je peux m'arrêter de tourner ici. Ah, parce que là, c'est bien. Voilà, que des bonnes nouvelles, finalement. Hein. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir... Il va falloir sérieusement que j'entraîne mon tricot pour le combat. Mais n'oublions pas que qu'avoir une armure, c'est de la triche. Lui, il en a pas, il a à poil. Hein? Voilà.
l'honneur de la bataille, Trico, il connaît ça. Mais la prochaine fois, je suis sûr que ça se passera différemment. Du coup, nous allons nous laisser là. Moi, je vous remercie, comme d'habitude, de m'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît, encore une fois. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous demain. Donc, demain pour la suite. Demain pour peut-être la revanche. Hein ? Parce qu'il sait ce qui va se passer quand il va le revoir, le Dark Trico. Ça fait tricot noir, tu sais, c'est le tricot d'Halloween, voilà. En opposition avec le tricot de Noël. Je sais pas, ce tricot me... Ouais, c'est bizarre, ce mot tricot. Voilà, bon, allez, des bisous à tous, merci de m'avoir suivi, à très bientôt.